Allez les amis, nous on continue. Attends, hop, je m'en mets là. Non, attends, on va faire la frontière. T'inquiète, je teste après ton live. Ouais, j'espère parce que j'ai prévu demain soir de faire du montage, de finir les trois vlogs, que j'ai en stock pour ma chaîne principale, pour les monter, les programmer sur la chaîne, les monter, les uploads et les programmer sur la chaîne pour que je sois tranquille pour au moins 3 semaines de vidéos quoi sur la chaîne principale. En tout cas, là, on avance bien dans les quêtes, hein. Putain. On est à combien du jeu là? On est à... On est à 27% du jeu déjà. J'ai pas l'impression d'avoir fait plus de trucs que ça. En vrai, il va juste faire un barbecue. Non, non, j'ai prévu de faire du montage demain. Finir les trois ou quatre vlogs que j'ai en stock. Kev can run a bake sale. I'm not sure that's gonna work. Look, man, I know I normally do savory, but I can bake the shit out of some macaron. Meerkat me. Look, if you want insured, salary kill bots, we need to bring in a lot more cash. All right, so what? We rob a bank? No. We rob a train. I don't know where this is going. It sounds like my kind of stupid. Okay, you know how banks have federal requirements for how much cash they need to keep on hand? No. Well, they do. And since the economy in San Luis has skyrocketed, they have to keep bringing in more money to meet the minimums. And let me guess, they move it in by train. It's really more of a mobile fortress. Oh, good. How do you know so much about this? Sergio talked about wanting to get the government rolled into town. You guys never made a play for it? We never had enough hardware. Oh my god, that's so stupid. The forge. That's what they were gearing up for. Non, demain soir, normalement, c'est Big qui live Killer. Bonne nuit en tout cas. À plus tard, poteau. Look, I'm not saying it would be easy, but we have time to plan. Oh, and Kev, I'm taking your wallabies for the win. Wallabies. Okay, so it's a tough job. Let's get some extra muscle. A top-tier murder machine to help me out. You have someone in mind? I do. Someone I met during my stint at Marshall. It'll be a tough call, but I bet we can persuade him. Cool. Let's give him a call. Can't do that. Why? He's being detained in a privately owned prison called the Frontier. You want to break out the Nawali, don't you? Assuming he hasn't been extrajudicially murdered by now, yes. What can go wrong? I mean, I could die. But let's be positive. Coming up on the frontier. Shit, that place is a fucking fortress. Ouais, c'est ça, Natsu. I'm gonna stay low to avoid detection. We're gonna have to find a way to do the same. You know, maybe actually be stealthy for once. C'est le mec qui a des problèmes d'érection, Natsu. I can be stealthy. That's why I dug out my old Marshall uniform to blend in. I'm like a total stealth pro. Seriously? You used a hand grenade to open a bottle of beer. That was one time. Merci Natsu. Stay in the air. I'll be out with our new recruit in no time. 10-4.
C'est pour lui payer ses pilules bleues. Ah, le bâtard! Mais t'en as acheté combien en vrai, Natsu, de bits? Plus de 500. Bah vas-y, lâche les 500 alors. Hey, I don't recognize you. Yeah, this is my first night shift. Keep moving. Don't give them time to think about it. Watch, Commander. Request assistance. Attention. Ah. This is my first night shift. Keep moving. Don't give them time to think about it. Ah. Security breach. Attention, guests. Ok, attends. On va tester un truc. Évite les gardes. Comment tu veux que je les évite, frérot? Avance furtivement. Comment tu veux que j'avance furtivement, frère? This is my first night shift. Keep moving. Don't give them time to think about it. Security breach. Mais comment tu... Mais là, je comprends pas. J'ai pas compris là. I don't recognize you. Yeah, this is my first night shift. Keep moving. Don't give them time to think about it. Attention, guests. A reminder that all constitutional protections are suspended on Frontier property, pursuant to Congressional Secret Act number 88. Gonna make quick contact with the Nawali, then keep going to the control room to disable the lock on his cell. Make it fast. I don't know how long I can hold this position. Can't talk. The brass has me running errands. Are you new? See? I can so stealth. You know what stealthy people don't do? Squawk about how stealthy they are. Yeah, yeah. VIP cell's just down here. I don't know you. I don't know you either. It's a big company. Hey, wanna get out of here? You put me in here. Career change. Got a job in mind for you. Sit tight. What are you doing in here? Passing through to meet my CEO. Merci Natsu pour les bits.
walk in like I own the place and press the button? That seriously does not count as stealthing. It does if it works. Evening. What are you doing? Orders. Whose orders? I give it. Wait a minute. You're the one who got fired because of that museum fiasco. Fuck. Go time. One more down. Merci Natsu pour les beats. Implementing lockdown. Double fuck? Gotta get out of here. Maybe busting the servers. Shoot to kill! Wally. Containment system down in the Nawali cell. Putain. Merci Natsu pour les 100 bits. Back up to the maximum security cell. Back up now. Wow. We should go. Makes you think there is a we. If there's not, you'll never know why I risk breaking you out. Very well, lead on. Moi, je vous laisse, je commence à me fatiguer. Ça sent un gros mal de tête. Vas-y, bonne nuit, Nad. Bonne nuit, la meuf à Big. Okay, Nina, you were right. I suck at stealth. I'm gonna do my thing now. You mean shoot your way out. I mean shoot my way out. Pas ma meuf, c'est la tienne. Ah non. Voilà, je suis pas au courant. C'est toi qu'elle appelle parce que elle a peur du noir. J'avoue. Là j'avoue. Mais c'est normal, elle a pas ton snap. Je vais lui donner. Je vais lui donner ton snap. De toute façon, on est d'accord là-dessous, hein, c'est la meuf à Big. Mais là, elle va être aux anges si tu fais ça. Elle va mouiller et tout là. Attention, mon petit Natsu là. Okay, change of plans. Down instead of up. We'll steal a car. Careless, but opportunistic. Interesting. Ouais, mais comme ça, elle pourra t'héberger. Comme ça, elle pourra t'héberger, elle sera contente.
Ah, il finit Harry Potter et Zen. Salut Smoothie! Merde. Oh, je kiffe ce camion. Much for going out the front. Shit. Nina, you got eyes on an escape route? I can't see anything. They're chasing me out of the airspace. Ah, so you only planned half a rescue. Get the servers back up. There. We're out of the prison. And how will you get out of the canyon? To the left. Which is taking us back to the prison, shit. No, we can drive across the roof. My plan exactly. Wesh. Mama, l'hélicoptère, on l'a démonté. That was fun, huh? You hungry? Ah, dommage. Comment va, Smoothie? Thanks for stopping. Figured you could use a good meal. Okay. Good's a little generous. All right, it's a lot generous. But I'm willing to bet it's better than what they serve you in the frontier. I appreciate it. And my freedom. Even if you're the one who put me there. Oh, shit. Is this gonna be a problem? I know what it feels like to be judged for following orders. Sounds like a hell of a story. It is. You wanna tell me? We're not friends. We could be. I should go. You need a ride? No, no. It will be nice to walk. But thank you for offering. Call me when you're ready to talk about the job. Bon. Elle était bien cette mission là, putain. Je pense qu'elle était cool, hein. Hey, I hope this thing with the Nawali works out, cause we really kicked the Hornet's nest on this one. What do you mean? I mean Marshall is out in force. They've set up checkpoints and roadblocks all over the west side of town, looking for you and the Nawali. I can stay ahead of Marshall. Are you sure? Because from what I hear, they have orders to shoot you on sight. Newsflash. Santo Ileso, the frontier. Marshall's private detention facility went on high alert after a pilot lost control of their helicopter and crashed in a nearby canyon. The proximity of the crash activated the prison security alarms. There were no reports of rioting or escaped prisoners, and the increased Marshall presence in the streets following this incident is coincidental, according to Marshall representatives. They declined to comment further on this situation. Juana Villalobos, Star Register News Network. Tiens, cassez couilles ce radio de mort là. Pour moi, Harry Potter, c'est sacré. Ah, toi, ça veut dire, Natsu, tu vas te l'acheter au Hogwarts Legacy, alors. Oh, attends.
Moi, je me l'achète, c'est sûr, Hogwarts Legacy. C'est sûr et certain. Et je le fais en live. Normal. On le sait que c'est toi, Big. Elle est tellement petite, la cicatrice, qu'on savait que ça venait de toi. Avec son micro pénis. Attention les gars, regardez. Moi je vous dis, Big il fait le malin. Bon allez. Comment ça va se passer depuis le temps? Attends, moi je vais prendre une vraie voiture. Ah merde, non mais ouais, non mais Big, tu crois trop et tu joues dans une cour, elle est trop. T'es pas dans la même cour que moi, frérot. Et hein, un monsieur qui promet de faire un concert et puis bah, y a pas, hein. Y a pas de concert, hein. Imagine qu'il a pas fait son concert. Hein. Oh. Je l'ai vu, ça là, cool. You just delivered packages to the old mission church. What happened to him? One of your people took them. Some fella wearing pink. Pink? It's the fucking idols. They stole our shit. Which way did they go? They ran off over there. C'est ça, mais il a pas fait du coup, ce mec-ci. Soit il devait pas être là, et puis finalement il était là, mais il a pas fait quand même. C'est pas cool, il avait promis et tout. Moi je m'attendais à un truc de fou et tout. J'étais là, ouah, ça va être bien. Un concert avec Big et tout. Voilà, mais il a pas fait. The hell did we order anyway? Maybe it's my Crucifit workout DVD. I want to get me some Jesus abs. I hate workout fads. That infomercial. I hope the number of knives isn't a measure of how upset you were. What? No, the guy on TV was just a really good salesman. Come to think of it, there should be way more boxes than this. They might be nearby. Let's check the alley. Trouve un idole encore en vie. Ben, je crois qu'il y a la Z tout ce que tu es, hein. Je crois qu'il y a les Z tout ce que tu es. Ouais, je crois vraiment que ils ont vraiment tout ce que tu es. Non mais je crois vraiment qu'on les a tous tués en fait, hein.
Parce qu'il est costaud, mon... Ah si, il y en a un là. Hey, where the hell are my boxes? Fuck you, boxes. Where are my FBs? I've been waiting for you assholes to bring me my nugs. Why don't we check the FBs? Oh, nugs do sound good. So, why'd you buy so many knives? I mean, it seems a bit excessive. Eh, retail therapy. You look for something to make you feel better, one knife leads to another, and boom. You got like a billion knives. Fuck. I'm sorry I made you guys so mad. I didn't mean to... Whoa, Kev. We were never mad at you. We were just upset about the situation. Also, we really like knives. We even got you one. Putain, en vrai, Smoothie, c'est con parce que t'es parti en vacances au moment où on a fait, allez, peut-être l'un des meilleurs jeux, pas le meilleur, mais l'un des meilleurs jeux que j'ai fait en let's play avec une histoire de fou et tout. On l'a pas fini, mais on va le finir en live là. Mais tu vas rien comprendre quoi. Enfin, si tu peux, il suffit que t'ailles voir toutes les vidéos sur. Qu'est-ce qu'ils ont les noobs là? Ça va là? Bon. C'est 3. Ah ouais, une dinguerie, hein. Yeah, we're still missing some. Seriously? I guess there's an idol's hangout we can check out. Ah ouais. Ah oui, je me suis battu à voir. Enfin, l'histoire, elle est dingue, quoi. Elle est vraiment trop, trop bien. Il est plus là en dessous, je sais pas, Big. That's all the knives we ordered. Oh, that one's for you. Oh my god, is that an Oni chef's knife? You guys are the best. Non, je suis là. Je regarde une vidéo XC3. Ouais. Bah, vous avez. Combien il y a d'épisodes sur la chaîne déjà de disponibles? Sur la chaîne YouTube, pour ceux qui veulent connaître l'histoire du jeu et qui n'ont pas vu le début. Parce qu'on va le continuer en live, mais vous n'aurez pas vu toute l'histoire, quoi. Enfin, le 3/4. Parce que je suis au chapitre 5, il y en a 7. Donc, voilà. Et là sur la chaîne, il y en a combien de dispo?
des épisodes de Xenoblade, je crois qu'il y en a 25. Allez les gars, on se lance du coup sur un... Oui, sur Saints Row, on connaît. Ouais, 24. Il y a 24 épisodes déjà sur la chaîne. Je viens de l'acheter. Ah bah tu vas kiffer, hein. Tu vas kiffer. Moi je vais le terminer là, je pense. Alors samedi du coup, on est en live avec Ecarte pour les 1000 abos sur la chaîne. Il va durer 2 heures le live sur YouTube. Ça sera d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, Smoothie, Yoshi, Big, tout ça. On sera sur la chaîne Wakfu pour les 1000 abos. Donc on sera en live pour 2 heures, de 20h à 22h normalement. Et donc après, je pense qu'après je vais partir sur Xenoblade, sachant que dimanche je travaille pas. Donc je peux me lever tard, donc je pense que je vais tryhard, je vais pas mal tryhard. Mais normalement on devrait enchaîner assez facilement l'histoire sur Xenoblade, parce que j'ai beaucoup joué quand j'étais chez ma mère, du coup j'ai monté beaucoup de level et je suis vachement en avance comparé à l'histoire, donc normalement ça devrait être tranquille. Mais d'ailleurs les gars, pour ceux qui sont intéressés, on a passé les 600 abos sur la chaîne secondaire. On est exactement à 604 abonnés. Ou 600, non, 603, je suis con. 603, je sais même pas lire. Donc ça fait plaisir. La chaîne évolue tranquillement. Mais sûrement. Merci Natsu pour les bits. Level combien? Je sais plus, il faudrait que je relance ma Switch. Et tu l'as la Switch du coup Natsu alors? Ah, t'es comme moi, Natsu. Mais, question, Natsu, si t'as un PC, à quoi il te sert ta Xbox? D'accord. Mais tu peux y jouer sur PC aussi, tu sais. Avec le Game Pass, maintenant, je vois plus trop l'utilité d'avoir une Xbox en vrai. Parce que tous les jeux sont cross-platform, PC, Xbox, etc. Donc, cherche pas, il veut collectionner toutes les consoles. Mais c'est bien, tu sais, moi j'ai encore ma PS2, ma PS3. Non, ma PS3, je l'ai pas. PS2, PS4. J'ai toujours ma Xbox One, qui sert à rien, elle est débranchée, elle est entreposée, elle est stockée. J'ai deux Switch dont une que j'ai jamais déballée. J'ai une, donc ma Switch qui me sert à jouer quoi, ma Switch collector Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli. Et j'ai une Switch Lite Pokémon épée bouclier, donc la collector, que j'ai jamais joué avec, elle a jamais été allumée. Je l'ai déballée pour voir comment elle était, mais j'ai jamais joué avec. Et dès qu'il y aura une Switch Pro, ben ma Switch actuelle passera en mode collection. Moi, je veux trouver une Color. Une Color? Une Game Boy Color? Oh, tu vas sur Vinted, t'en as partout. Hein. Moi, j'aimerais bien me retrouver, ouais, une Game Boy Color. J'ai la Nintendo DS, la 3DS XL, et j'ai la Nintendo DS Lite. Je crois que c'est la DS Lite que j'ai, que je vais donner à... que je vais prêter à Big. Oh, elle est méchante cette caisse là. Tiens, dégage. Moi, ce que j'aime bien collectionner, c'est les manettes custom. C'est les manettes collector. Bah, comme la manette avec laquelle je joue actuellement, qui est la manette collector Sea of Thieves de chez Xbox. J'aimerais bien faire une petite collection de ça. J'aime bien, moi, les manettes collector.
Et les consoles Switch Collector aussi. Mais que c'est Switch. Putain, je suis deg, ma sœur elle avait la. Ma sœur elle avait la Switch Collector. Oh, comment il s'appelle oh putain, le jeu là qui a fait fureur pendant le Covid. Animal Crossing. Voilà, elle avait la collector Animal Crossing et cette couille quand elle a vendu au lieu de me le dire, et ben elle a comment ça s'appelle, elle a vendu quoi. Et elle a vendu pas cher en plus. Putain, j'étais deg. Ah, Sega Mega Drive, ma toute première console. Ouais, je l'ai toujours, Animal Crossing. Mais ma sœur, elle avait la collector Animal Crossing. Et moi, j'adore les consoles collector. Là, je me suis fait un kiff sur le Game Pass. Ah ben, moi, j'ai le Game Pass sur PC. C'est pour ça que je te dis là-dessous que j'ai plus d'utilité réellement à avoir une Xbox. La seule utilité que j'ai à avoir une Xbox, c'est globalement si je trouve des jeux d'occasion vraiment pas chers en vide-grenier ou quoi. Parce que moi, je fais beaucoup les vide-greniers. Et il y en a beaucoup par chez moi. Donc là, ouais. Killer Instinct, une dinguerie. Ouais, il est sympa. Après, c'est pas trop mon kiff parce que c'est qu'un jeu de combat et je suis pas non plus ultra mordu des jeux de combat. Next time, Eli buys the donuts. Thought this was gonna be easy money, huh? One more down. God, this is my day job. I am not dying at the donut shop. Patate de foin. Non, moi j'ai jamais joué sur Nintendo 64 à ce jeu. Je l'ai découvert avec la Xbox. Any idea who might have put you on wanted? Take your pick. Marshall, the Idols, Los Panteros, somebody's widow or orphan. Right. Pretty sure I've got a former college roommate who might have done it. Well, whoever it is has money. The bounty they set is huge. Look. Holy shit! I'd almost off myself for that money. Is that my DMV pick? Taking you to my buddies Hank and Claude. They designed the Wanted app. They can take you off it. You sure? Yeah, they're cool. They brought the gig economy to murder for hire. Well, it started as a deal. Oh, y a des cartes. The market was so crowded, you know. Oh, y a des cartes dans le jeu. They found their niche. You than me. J'en veux un. So how do you know these two hacker guys? Through Wanted. Back when it was a dating app. You dated one of them? Both. We had a really special week together. All right. Holy shit! Someone set up a roadblock.
Mais je joue un peu à la Wii parfois, honnêtement, je kiffe toujours aussi. Ah, moi j'aime bien. Hein. Après, moi, le jeu que j'aimerais bien retrouver, c'est Zelda Twilight Princess. Hank, Claude. Hi, Kev. What a pleasure. I need a favor. My friend ended up on your wanted app and needs to get taken off. Ah, nice, Natsu. Après, je suis pas un collectionneur, moi, en vrai. Hein. Yeah? How about I put you two jokers on the app? Wait, what? More users incoming. We'll hold them off if you two clean up. Les jeux, je les collectionne pas vraiment, tu vois. Second. All in favor? Aye. Motion passes. Hurry, take us all off. Sorry for putting a hit out on your friends there, Kev. Nah, they were kind of asking for it. This is the big one. That's... I should have brought a bigger gun. Gah! Initialize the server? The posts are in the database, but the server is what pushes them. You're gonna fucking die over this? I'll make a mint off of you. Alright. Je vais crever là. Oh. Moi ça dépend du jeu en vrai. Ah oui, moi c'est pareil. C'est pareil. Moi genre Pokémon j'essaye de collectionner dès que j'en trouve. Mais les alors moi c'est Pokémon, Final Fantasy, des trucs comme ça. Mais il n'y a pas tous les jeux quoi. Tu vois, genre je suis pas en mode ah il faut que je garde tous les jeux, etc. Tu vois là par exemple Xenoblade, c'est une licence que j'ai découvert avec le 2 mais j'avais pas beaucoup joué. Et là, le 3, il m'a tellement plu que ben, je vais les garder. Tu vois, je vais garder le 3 et je vais essayer de me trouver le 1, le 1 et le 2 qui sont sortis sur Switch et celui qui est sorti sur Wii U parce que j'ai la Wii U. Et ça, c'est des jeux que je vais garder. Mais après, je garde pas tous les jeux, tu vois. C'est vraiment certaines séries, certains jeux, certaines collections, etc. Par exemple... Au niveau de la Switch, j'essaye de me choper toutes les Switch Collector Pokémon. Pour l'instant, sur les 3 sorties, j'en ai 2. J'ai la Collector Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli. Bon, malheureusement, je ne l'ai pas en neuve, parce que du coup, elle me sert. C'est ma Switch qui me sert à jouer, à faire les lives, les vidéos, machin, etc. J'ai la Switch Lite Collector Pokémon Épée Bouclier. Celle-là, par contre, elle n'a jamais été allumée et tout. Elle a été déballée parce que j'ai voulu voir comment elle était, forcément, tu vois. Mais celle-là, je l'ai. Et là, j'aimerais me trouver la collector. Je crois que c'est Diamant et Perle. Scintillant. Que j'aimerais bien me trouver. Pour l'avoir dans ma collection. Avant, je faisais la collection des cartes Pokémon. Mais ils en sortent tellement.
que j'ai arrêté, j'ai revendu tout, enfin quasiment tout, j'ai quasiment tout revendu parce que ben t'arrives pas à suivre, tu vois. Elle est comme neuve, ben, elle est neuve, elle a juste, j'ai juste ouvert la boîte et sorti la Switch pour voir comment elle était, puis je l'ai remise. Elle est neuve, elle a jamais été allumée, elle a toujours été dans sa boîte, jamais en exposition, jamais tout ça. Et 101 000, je peux mettre un nouveau magasin. Moi, là, moi, c'est ma PS4 qui prend la poussière. Ah, pareil. PS4, il fallait que je finisse Horizon Forbidden West, là. J'ai Horizon Forbidden West à finir. J'ai Ghost of Tsushima. J'ai Final Fantasy VII Remake. J'en ai trop. J'ai trop de jeux. La vie, en vrai, j'ai beaucoup trop de jeux. Et malheureusement, bah voilà quoi, hein, je peux pas être partout. Alors ça c'est pour une caisse, pour une quête, fallait que je mette ça. Pareil, PS4, j'ai beaucoup de jeux à faire. J'ai acheté des jeux aussi pour les faire. Par exemple, j'ai acheté la trilogie Uncharted parce que je voulais faire les Uncharted, etc. Mais voilà, tu vois. Après, là, tu vois, c'est bien que Big Live avec moi sur la chaîne parce que lui peut se concentrer, tu vois, sur les jeux que lui il aime, c'est-à-dire Fortnite, tout ça. Et moi, ça peut me... Et moi, ça me laisse du temps pour faire. Enfin, en live, je suis pas obligé de tryhard ces jeux-là, tu vois. Vu que Big le fait, j'ai pas besoin de le faire. Et du coup, bah, moi, ça me laisse du temps pour jouer à des jeux comme ça, tu vois. Lore Master, we seek your counsel. The Kraken shall sit upon the dusty throne. So says the prophecy. Then I shall attack the Dust King. Patience, Bassonius. We must first gather strength. I will not cower behind these walls. We shall attack, and our courage will draw the bravest warriors to our cause. A bold plan. But how? We lit the beacon of House Tapeworm and defeated their armies in battle. Could we not do the same to the Phoenix and the Dust Storm? Aye, it is as you say. Then let us find their beacons and light them, and prove we are worthy of the prophecy. Mais rien à faire en free to play, mon jeu reste Genshin. Alors, est-ce que tu comptes les MMO où t'achètes juste le jeu mais t'as pas d'abonnement à payer? Tu vois, où tu payes juste le jeu de base? Ou pas, parce que moi si c'est ça moi un MMO que je kiffe de le plus pour le moment, en tout cas ça reste New World. C'est vraiment une dinguerie de ouf ce jeu. J'adore ce jeu. Et là il faut que je le faut que je me refasse un petit live dessus. Termine deux entreprises illégales de plus. Là, je parle en jeu gratuit. Ouais. En style MMO, du coup. Natsu. Vu que c'est un MMO, Genshin. Termine tous les brasiers dépoussiéreux pour le château de Cana. Ah oui, attends. En MMO free to play. Alors. Ouais, mais Fate, c'est un jeu de téléphone, c'est pas pareil. Enfin, c'est pas pareil que. C'est pas un Genshin, c'est pas un MMO. Fate, c'est pas un MMO, tu vois. En vrai, il y a Tower of Fantasy qui est sorti là, Natsu, et bah, j'ai envie de le tester pour voir ce qu'il vaut. Mais apparemment, il est vraiment bien. Apparemment, il est bien. Donc, à tester, mais c'est vrai que Genshin, il est vraiment bien. J'aime bien Ni no Kuni aussi. Ni no Kuni 2, enfin, Ni no Kuni Cross World, j'aime bien aussi. Mais Tower of Fantasy, j'aimerais bien le tester. Sauf que le problème, c'est que, bon, bah, j'ai pas de trop de time non plus, tu vois. Don't
Ouais. Après, j'aime bien Ni No Kuni Cross World aussi. Je le trouve vraiment cool. Et pareil, ça fait un moment que j'y ai pas joué. Même relancer le perso pour qu'il taffe tout seul et tout, ça fait un moment que je l'ai pas fait, hein. Fort que je le fasse. Parce que j'aimerais bien aussi, celui-là, finir de tourner toute l'histoire dispo actuellement. En plus, j'ai loupé un événement que je devais tourner et du coup, j'ai loupé. Ni No Kuni, j'aime beaucoup quand même, MMO. Mais après, en vrai, vrai gros MMO, mon préféré actuellement, ça reste New World. Après, Wakfu, quoi. Après, dans le style de d'Ankama, c'est Wakfu. J'attends beaucoup Haven, voir ce qu'il va donner. Et puis voilà, mais j'aime bien les MMO comme Wakfu, Dofus. C'est des MMO où tu peux revenir un an après et ça va, tu vois. Dans le sens où t'es pas perdu dans le jeu, etc. Que New World ou quoi, tu t'arrêtes 6 mois, tu reviens, il y a des nouveaux stuff, des nouveaux raids, des machins, des... c'est trop compliqué. It happens. You meet the rest of the crew yet? No, I was waiting for you. Well, let's meet them. Hey, everyone. I'd like to introduce you to the Nihuali. He's here to make our train-robbing dreams a reality. It's nice to meet you, sir. I'm Eli. I'm Kevin. Everyone calls me Kev. You're not wearing a shirt. Less shirt, more power. I'm not sure that's how it works. Yeah, don't try to figure it out. I'm Nina. It's nice to meet you. Yes, a pleasure. So, shall we plan the heist? No. I thought you called me here because you wanted to prepare for the robbery. Correct. So we are planning the heist? No. Okay, I must admit, I'm confused. What are we doing? Team building. What? Look, you don't know us, we don't know you, but we're putting our lives in each other's hands, so we need to be on the same page. Eli threw out the idea that we should spend a day doing some team building exercises. You know, so we can really get a sense of camaraderie. We have hats. I thought we agreed to use the Fleur. This is better. I'm with Nina. I have so many questions. And that, my friend, is what team building is all about. Check it out. The best RV money can rent. Shotgun! Everyone get in! Attendez deux petites secondes. Merde. Attends, qu'est-ce que je branle moi? Bon. Faudrait que je teste aussi Tower Fantasy, peut-être ce week-end. Moi j'ai pas le temps. Je vais pas avoir le temps ce week-end. Mais j'aimerais bien le tester. Après j'ai beaucoup de jeux sur le feu. Donc je pense que plus tard je le testerai en vrai. Quand j'aurai moins de jeux de commencer là. Là, je veux finir ben, Saints Row et Xenoblade. Je veux terminer cela. Et comme ça, après, je peux me concentrer sur d'autres jeux, tu vois, qui pressent un peu moins. Xenoblade et Saints Row, j'aimerais les finir parce que c'est des jeux du moment. Donc j'aimerais les finir, les deux. Au moins l'histoire sur les deux. Parce que je pense que même Saints Row, je vais pousser un peu plus loin que l'histoire. Mais j'aimerais les finir les deux là pour pouvoir reprendre les tournages sur Final, etc. Là, je fais Chorus, c'est pas mal. Je connais pas, c'est quoi?
plan today to be just for fun. Why don't we cut the tension with a little dubstep? I'd rather hear some ranchera. What are you talking about? Ah oui, je l'avais installé pour le tester et comme j'ai pas eu le temps, bah du coup je l'ai pas fait. Mais là, pareil, il y avait un jeu qui m'intéressait qui arrive dans le Game Pass, c'était Death Stranding, le jeu de Kojima, celui qui a fait les Metal Gear. Il m'intéressait, il est arrivé dans le Game Pass, c'était une exclu play, tu vois. Et vu que je l'ai jamais fait, je me suis dit, ça pourrait être cool. Mais pareil, c'est un jeu apparemment qui est hyper gros, enfin, tu sais, qui prend beaucoup de temps. Donc je me dis, bon, je vais pas commencer 50 millions de jeux qui se prennent beaucoup de temps, parce qu'après, je vais pas m'en sortir. Donc là, pour l'instant, je me suis fixé une petite roadmap des jeux que je veux faire. Et je vais pas trop en sortir parce que sinon j'aurais pas le temps et je pourrais pas tout faire. Entre le taf, ma vie, là je prépare pour déménager, j'ai ma voiture aussi qu'il faut que je travaille dessus, etc. Donc je veux pas me mettre trop de jeux d'un coup pour sinon ça va être compliqué quoi. Il faut que j'ai du temps aussi pour arriver à faire les montages, les TikTok, les trucs, les machins, les shorts. Donc ça prend beaucoup de temps quand même. Hein. Parce que bon, j'ai quand même 3 chaînes YouTube. Donc ça commence à faire beaucoup quoi. 3 chaînes YouTube, la chaîne Twitch. Donc bon. Hein. C'est ça. Après, t'imagines là-dessous, je sors presque entre 600 et 700, enfin même un peu plus depuis que j'ai repris la chaîne. Je sors plus de 600 vidéos par an quand même, hein, rien que sur la chaîne gaming. Hein, rien que sur la chaîne gaming. Hein. Et passé un temps là, pendant plus d'un mois, il y a eu quand même 3 vidéos par jour. Hein. Rien que de let's play. Sans compter les Fortnite quand sortent les défis, bah, souvent il y a 10-15 vidéos dans la journée, plus les 3 de prévu, etc. Attends, je sors plus de 600 vidéos par an juste sur la chaîne Let's Play. Donc imagine avec j'ai ma chaîne principale que je vais relancer là, puis la chaîne Wakfu qui cartonne de ouf. C'est une chaîne, elle marche de ouf. La chaîne Wakfu, elle marche vraiment beaucoup. On est monétisé, ça y est, on commence à gagner de l'argent avec la chaîne, donc ça fait plaisir aussi. Là, ça fait quelques jours qu'elle est monétisée, on commence déjà à toucher de l'argent sur les vidéos, tout ça. La chaîne, elle arrête pas de monter, elle monte à une vitesse, c'est incroyable. J'ai jamais monté aussi vite une chaîne juste avec des vidéos et avec les vues qu'elle fait, quoi. Donc, elle est insane, cette chaîne, donc je peux pas me permettre de la délaisser, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'essaye de tout faire. Pour l'instant, je gère, donc ça va. Mais c'est pas simple, hein. C'est vraiment pas simple de tout faire. Hein. En fait, j'aurais pas les lives, j'aurais grave de temps, mais au final, moi j'aime trop live. Donc le problème, c'est que j'aurais pas de live, ben on parlerait pas, etc. Tu vois. Mais bon, j'ai trouvé un compromis, tu vois, je fais mes jeux en live, c'est cool, tu vois. C'est motivant ça. Ouais, ben moi après, tu vois, je suis content. Là, ma chaîne secondaire, donc ma chaîne de gaming. Elle a quand même pris presque 50 abonnés ce mois-ci, tu vois. Donc ça fait plaisir aussi. Ça, elle est pas morte, la chaîne, tu vois. Elle continue de progresser très doucement. Parce que elle progresse très doucement parce que le format de vidéo fait que c'est très doucement. Tu vois, le let's play, tout le monde ne regarde pas du let's play, quoi. Mais il y en a plein qui regardent, qui commencent à regarder la chaîne. Là, j'ai des commentaires sur les vidéos et tout. Donc ça fait plaisir, tu vois. Oh, une moto volante comme sur GTA. En plus, ça ressemble de ouf à celle de GTA.
Marshall has hover bikes now? Too cool. They would be very useful for the train heist. We're not discussing the... I'm changing my activity. Let's steal a hover bike and race it at Jet Ski Point. Fair. And then Wally, grab the bike. We'll meet you there. C'est Cyberpunk, tu l'as fini? Non. Non, non. J'ai pas fini, j'ai pas rejoué depuis le dernier live. Donc il faut que je parie, il faudra que je fasse des lives pour le continuer, tu vois. Oui, c'est lent les let's play, mais c'est intemporel. Ouais, alors, c'est intemporel, oui et non. C'est-à-dire que, par exemple, les jeux comme Saints Row, Xenoblade Chronicle, etc., le trois quarts du temps, c'est des jeux qu'il faut faire tout de suite. C'est-à-dire que quand il sort, il faut les faire, il faut les charbonner pour tout sortir d'affilée. Comme ça, tu finis le let's play et les gens sont toujours dans la hype. Si tu le fais 2-3 ans après, ben ça marche pas, tu vois. Ça marche pas ou très peu, tu vois, parce que les gens auront déjà vu le jeu, etc., tu vois. Donc c'est intemporel dans le temps, oui, c'est-à-dire que dans 5 ans, le mec il veut découvrir Xenoblade, il peut le regarder sur ta chaîne, etc., ça posera pas de problème. Mais c'est aussi de l'actu, parce qu'il faut que, bah, si tu veux faire des vues, si tu veux essayer d'intéresser une communauté à ta chaîne ou quoi, bah, il faut que tu arrives à directement, quand le jeu sort, à poster bah, masse vidéo, à le faire au moins une vidéo par jour pour faire tout le jeu, etc. C'est pour ça que souvent, sur la chaîne, vous voyez en nouveauté, c'est-à-dire quand il y a des nouveautés, je mets les épisodes à 7h du matin. Mais en même temps, je me fais chier à suivre la route alors que c'est une moto qui vole. Je suis con, moi. Oui, ça va plus vite comme ça. There are more that way. This bike will do well for the thing we are not talking about. I applaud your courage. Mais après, ouais, les espèces intemporelles. C'est pour ça que des fois, je refais des vieux jeux, etc. Et c'est toujours aussi cool en fait. Après là, j'ai remarqué que ce qui fait découvrir pas mal mes vidéos, les let's play et tout sur la chaîne, c'est les shorts. Parce que les shorts amènent de la visibilité que je n'ai pas avec, les vidéos let's play. Et il y a pas mal de gens qui découvrent des let's play. Et les vidéos grâce aux shorts, tu vois. Genre, j'ai eu des commentaires aujourd'hui sur une vidéo que j'ai tournée il y a 8 mois. Sur des vidéos que j'ai tournées il y a 8 mois, tu vois. Des mecs qui m'ont découvert grâce aux shorts et tout. Donc, ça fait plaisir, tu vois. Parce que ça amène une visibilité que je n'ai pas, moi, sur ma chaîne de base. Et ça, en vrai, les shorts, qu'importe le type de contenu que tu fais, ça amène une visibilité de dingue. I win.
probably tracking the fucking bike. I can disable their tracker, but I'll need time. I know a place, a safe house, where we can hide the bike and arm ourselves against our enemies. But... I insist, this is my choice of activity. Nina, head for the old graveyard west of Panther. Ouais, mais c'est ça. Bah, en fait, c'est ça. Et moi, là où je trouve que c'est con par rapport à ta chaîne, etc., c'est que vous profitez pas de la méta short. C'est-à-dire que les shorts, vraiment, hein, c'est pas pour dire ou quoi, mais les shorts, c'est insane. Et vous en profitez pas, alors que ça vous... Enfin, ça vous aiderait de ouf, quoi. On our terms? Yeah. 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 Fuck yeah! Oh, Jesus. The idols found us too. Then let's go fuck them up! Natsu et Big, on les entend plus là, vous faites quoi les gars? Vous êtes morts quoi? Natsu, Big, Smoothie, ils sont partis sur Fortnite ou quoi? Non, je dessine, je suis sur Chorus. Mais bien sûr, mais il faut faire les deux, Yoshi. En fait, il faut te dire, pour que la méta, tu fonctionnes bien sur la méta, faudrait que tu fasses un short par jour, en fait. Parce que c'est en faisant tous les jours que que t'es bien référencé au niveau des shorts. Tu vois? Et il faudrait que tu fasses les deux. Tu vois, regarde-moi la chaîne secondaire. Il y a toujours les vidéos dessus. Tu vois? Là, la chaîne principale, pour le moment, il n'y a que des shorts. Mais les vidéos reviennent dès ce week-end. Et je fais les deux. Mais les shorts, ça va être de ouf, frérot. Tu te rends pas compte. Non, je dessine. Bah vas-y, Smoothie, raconte-nous un petit peu tes vacances, là. Eh, les anecdotes de Smoothie, ça manque un peu, les gars. Bah ouais, t'es où, Big? Parlez un peu, les gars, vous parlez pas, vous êtes là en mode fantôme. C'est pas drôle. Did we win? I think we won. Hey everybody. I'm sorry today went to shit. I had this perfect plan and bah fais sur n'importe quoi, tu t'en fous. Qu'importe le sujet de tes animations, Yoshi. Du moment que tu fais des trucs et que t'es actif, c'est ce qu'il faut, hein. More memorable.
whole time. Same here. Not since Ghost Pepper Night. Kevin, we do not speak of Ghost Pepper. Moi, je vois, les shorts, ça aide de ouf, mes let's play, hein. Alors, pas tous, mais ça aide quand même, hein. Tain, au fait, Big, j'ai trouvé le moteur pour ma Mazda, là. Pour le drift. J'ai trouvé le moteur. Et dans les prix que je peux mettre. Je suis trop content. J'en ai trouvé des moteurs là, pouh. Entre... Alors, j'en ai trouvé plusieurs. Ils sont entre 1005 et 2005. J'en ai trouvé aussi à moins. À moins de 2005, à moins de 1000 euros. Mais bon, ils sont pas... comes to shove, there's no one I want more by my side than those guys. They're good people. They are. I guess what I'm saying is, I know you're looking at the high. Oui, mais là t'es en short, Yoshi. Donc il faut que t'adaptes au format short. Tu t'en fous qu'en général ça soit 2 minutes. Il faut que t'arrives à faire des trucs qui durent 1 minute. C'est les shorts, pour l'instant, c'est 1 minute. Peut-être qu'après ça augmentera. Regarde, au début TikTok c'était 3 minutes et maintenant c'est 10 minutes la vidéo. Maintenant, c'est des vidéos de 10 minutes que tu peux mettre sur TikTok. Moi, j'en mets plein, hein, les vidéos de défis, machin, etc. J'en mets, hein. Ça va. Ouais, ça va. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Mais, Ouais. En plus, c'est le moteur que je veux. C'est un moteur BM. C'est un M50 B25. Donc, c'est un 6 cylindres, etc. Et, franchement, c'est ce que je voulais comme moteur. Et c'est le moins cher que j'ai trouvé aussi, parce qu'à la base, je voulais un V8 aussi Chevrolet, mais frère, ils sont à 10 000 balles. J'arrive pas à en trouver des moins chers. Que le moins cher que j'ai trouvé de V8 Chevrolet que je voulais, le LS3, je l'ai trouvé à 7 000 et quelques euros. J'ai dit non, je mets pas 7 000 euros sur un moteur sans qu'il soit préparé, tu vois. Parce que le moteur, il est d'origine, quoi, à ce prix-là. C'est trop cher. Donc là, je suis quand même très content du prix que j'ai trouvé. En vrai de vrai. Très très propre. Du coup, les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo-là. J'espère que vous aurez kiffé. N'hésitez pas, comme d'hab, à liker, commenter, partager, bien sûr. À vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!